I want to start from the start, from the beginning, one thing. I don't know anything about Sonderkommando, je ne suis pas un spécialiste des Sonderkommando. Je ne connaissais rien au sujet, et donc je n'ai pas non plus perdu quelqu'un comme le frère en armes de mon père, Shlomo Venezia, et donc je n'ai pas non plus participé comme certains journalistes grecs qui ont voulu réécrire l'histoire de l'Holocauste. Donc, je vais tout simplement vous raconter comment mon père a vu les événements lors de la révolte du Sonderkommando. Hier, pendant la pause café, plein de gens m'ont demandé comment mon père avait réagi. Si quelqu'un veut poser des questions à ce sujet, on y reviendra plus tard. Voilà, ici vous avez donc une image complète du camp de Birkenau. Il s'agit du crématoire 3 où mon père travaillait, numéro 4 où la révolte a eu lieu, et le crématoire numéro 5. Et là il y a donc le mirador. Et ici, on surveillait la totalité des opérations, et le Canada se situe ici. C'est là où donc les effets personnels, les vêtements et bagages des prisonniers, des victimes étaient entreposés. Et donc ici, où mon père se trouvait et où la révolte a eu lieu, est assez difficile de voir ce qui se passait. Et les 4 crématoires sont complètement isolés du reste du camp et entourés de barbelés. Au mois d'avril 1944, le dernier transport part de Grèce pour Auschwitz. Il y a à peu près 2000 personnes. Et au moment où ils arrivent à Auschwitz, il y a donc 600 personnes qui donc ne sont pas gazées tout de suite et qui donc doivent travailler. Les autres sont gazées donc tout de suite. Un peu avant le début août, les Sonderkommando ont décidé de se révolter, et l'ensemble du camp a décidé de révolter. Ils entendent l'artillerie russe au lointain et décident que c'est vraiment le moment adéquat pour se révolter. Et le 15 août, c'est donc la fête chrétienne de l'Assomption. Et donc, ils croient qu'à ce moment-là, ce sera plus facile d'avoir le dessus sur les gardiens. Et donc, la résistance polonaise décide de ne pas appuyer la révolte, puisque les Russes sont déjà très proches. Ils disent c'est pas la peine de verser davantage de sang lors d'une révolte, puisque les Russes sont tout proches. Mais les Russes contournent Auschwitz et les prisonniers sont laissés à leur sort. Il y a un personnage, Kaminski, qui est extrêmement respecté non seulement par les prisonniers, mais également par les SS. Il avait vraiment une qualité de leader, de meneur. Et tout le monde le respectait. Et c'est lui qui a donc organisé et donné
le sens du démarrage de la révolte. Il a été donc trahi quand la révolte a été reportée. Un capot l'a trahi, non pas un capot non juif. En général, les capots étaient des criminels de droit commun, des Polonais et d'autres pays. Et donc Kaminski n'a pas relevé la moindre chose et a été exécuté. Puis il y a eu un autre événement qui s'est produit qui a regalvanisé le Gendarmenkommando, la tentative d'évasion et l'exécution d'Albert ou Alex Herrera, un officier grec. C'est lui qui a pris quelques images aussi. Le professeur nous les a montrées. Et lui, avec un autre gars, est envoyé à la Vistule pour y déverser les cendres. Il s'est emparé d'une pelle et il en a frappé un SS, le blesse, mais donc l'SS est tombé à l'eau, il se met à nager. D'autres SS sont arrivés et Herrera a été donc tiré. Et il a été donc ramené au l'endroit des crématoires de manière à ce que tous les membres des Sonderkommando puissent voir son corps. Et il y a plein de mythes qui se sont développés autour de cet événement et l'histoire officielle grecque prétend qu'il a été jeté vivant dans le brasier. Ce n'est pas vrai. Et mon père l'a pris de Shlomo Venezia et d'autres membres qui l'ont vu avec l'impact de la balle dans son crâne. Puis donc, les 400 000 sont arrivés. Des convois anglais et les Allemands ont chargé 250 juifs grecs de Corfou qui devaient former le Sonderkommando pour liquider donc brûler les corps des juifs hongrois. Ils ont refusé de le faire et ils ont été éliminés. Donc, mon père a appris cela. Et mon père en parlait souvent. Il m'en a parlé, mais non pas à ma mère, mais à moi et à mon frère, pour donc nous effrayer quand j'ai quitté la maison. Pour partir en Israël, pour travailler dans un kibbutz. Ma mère n'a jamais su. Les Allemands sont arrivés au bloc 13. Ils parlaient cinq langues. Ils parlaient parfaitement l'allemand et le français. Et donc, ils voulaient 50 personnes qui devaient travailler pour eux. Et nous sommes 150 Grecs, et donc nous partirons tous ensemble. Et le SS a dit, voilà, vous allez être mieux nourris, et vous aurez de nouveaux vêtements. Et on était tellement contents que j'allais pouvoir emmener également mes amis, et que nous allons donc avoir de meilleures conditions. Et nous chantions des chansons militaires patriotiques grecques tellement que nous étions pleins. Et puis un juif a dit Willkommen to the Sonderkommando, bienvenue au Sonderkommando. Et alors il a dit, ça veut dire que vous allez de toute façon mourir. Et là, il a réalisé qu'il avait donc entraîné ses amis dans une aventure qui signifiait de toute façon leur mort.
Et donc, là, il a réalisé la bourde de l'erreur qu'il avait commise en entraînant ses amis dans cette aventure, entre guillemets. Et puis, ils avaient appris que le nombre des membres du Zondon Commando allait être réduit, puisqu'il n'y avait plus assez d'arrivages de transport, puisque les Juifs hongrois étaient presque tous limités. Et donc, il avait appris que les Allemands allaient décider de réduire le nombre de membres du Zondon Commando. Les Grecs le savaient, mais aussi les Polonais. Le gouvernement grec, en fait, tout un mythe et ramène cela à la bataille des Thermopyles et de Léonidas qui a combattu les Perses. Donc c'est de la récupération de la part du gouvernement grec. C'est une révolte juive et pas une révolte uniquement grecque. Et donc les fours crématoires 3 et 4, c'est là que la plupart des Grecs travaillent là. Les Grecs travaillent là, à peu près 56 en nombre. Et donc les Allemands ont décidé qu'ils veulent réduire le nombre. Ils viennent au crématoire numéro 4, ils ont procédé à un appel et ils disent des noms, ils lancent des noms et que les gens dont on cite les noms doivent aller au crématoire numéro 5. Et donc les premiers noms sont cités, sont des noms grecs. Et puis il y a le nom de Joseph Varouch de Salonique. Et il dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On leur saute dessus ou non? En verrant grec, de manière à ce que personne ne comprenne. Alors, ils sautent sur les gardiens avec ce qu'ils avaient comme arme. Certains Grecs et Polonais, très peu, ont essayé de désarmer ceux qui se rébellent et de passer ce qu'ils avaient comme arme aux Allemands, ils n'y arrivent pas. On commence à tirer de la part des gardes allemands. Les Grecs et les Polonais qui se révoltent les battent. Et donc les autres gardes donnent l'alarme pour que les officiers viennent pour donc aider à réprimer la révolte. À ce moment-là, 25 Grecs ont réalisé que donc c'est la fin des jeux. Là, toute la révolte a duré 15 minutes. Ce n'est pas la révolte du four du ghetto de Varsovie, pas du tout. Donc, ça n'a duré que 15 minutes, 25 Grecs révoltent, que c'est terminé, se cachent dans le four crématoire, ils savent qu'ils n'ont aucune chance, et certaines femmes grecques, des juives grecques qui travaillaient au Canada, disent qu'ils les entendaient donc chanter l'hymne national grec avant que donc ces 25 Grecs réfugiés au crématoire 4 se sont fait sauter. Et donc on prétend que s'ils voulaient éviter de se faire tuer comme des agneaux. Mon père était le plus âgé, il avait 33 ans, Shlomo Venetia, le frère avait 18 ans. Donc mon père était en quelque sorte une figure paternelle. Il s'était battu contre les Italiens en 1942 quand la guerre a éclaté. Et donc on le considérait un peu comme un leader naturel puisqu'il était le plus âgé et il parlait allemand. Lui était responsable de l'organisation au crématoire
1943, où il devait donc entendre le signal pour déclencher la révolte. Et donc, mon père avait dit à Shlomo Venezia, vous attendez ici, et dès que le garde s'amène, vous le zigouillez. Mais donc, ils attendaient le signal. Et donc, les gens étaient très confus, puisqu'ils ne savaient pas que c'était le signal qui signifiait que la révolte avait démarré, ou c'était un appel des Allemands. Et donc, avant qu'ils ne pouvaient sortir, le capot les a enfermés. Et c'est grâce à cela que donc toute la zone de commando du crématorium 3 ont été sauvés. Les autres se sont enfuis, ils ont été exécutés et ils étaient dans une étable. La même chose pour le numéro 5. Ils ont essayé de s'échapper vers les forêts. Ils ont été rattrapés, ils ont été exécutés. Donc ce sont uniquement les membres du Sonderkommando du four crématoire numéro 3. Et donc pourquoi ils n'ont pas été liquidés aussi? Parce qu'ils en avaient besoin pour brûler les cadavres des révoltés. Et donc, apparemment, la plupart des sources historiques, c'est ce qu'on peut conclure, comment les choses se sont passées. Quel est le nombre des personnes qui ont été tuées dans cette révolte? Il faut que j'ai le temps de mettre mes lunettes. Dites que oui, je suis jeune. Donc le mythe, c'était qu'au moins il y avait 300 personnes qui avaient été tuées et que donc tous les officiers avaient été tués par les révoltés. 14 avaient été blessés au crématoire 4, étaient détruits. Le lendemain, 450 victimes de la révolte ont été brûlées au crématoire et des 198 Grecs qui donc restaient ont survécu. Et mon père disait toujours que c'était une grande erreur de ne pas être révolté le 15 août. Là, peut-être, les Russes auraient pu être pu venir au renfort si 125 000 personnes qui restaient dans le camp s'étaient révoltées ensemble. Là, les Allemands n'auraient pas pu maîtriser et les Russes en auraient eu vent et seraient venus à la rescousse. Et il y a plein d'histoires, plein de mythes qui existent à propos de cette révolte. Et il faut donc prendre cela, non pas avec un grain de sel, mais avec une cuillère à soupe de sel. Parce que beaucoup demandent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé de ce qui s'est passé, surtout les membres du Sonderkommando. Le premier grec qui est revenu de Pologne, Léon Baptiste, il n'était pas membre d'un Sonderkommando. Il est revenu d'Auschwitz, il est allé à la synagogue le premier samedi, on dit voilà, il a retourné. Léon, tu parles ladino, qu'est-ce qui s'est passé en Pologne? Et donc il a raconté ce qui s'est passé en Pologne. Et ce que je vous dis maintenant, c'est son fils. Et ma mère était à la synagogue et l'a entendu. Ils sont toujours vivants, eux. Et les gens ont commencé à secouer la tête et dire, le pauvre, il est fou. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Et donc le rabbin a dit, mais il faut qu'on trouve un asile où
prennent soin de lui, parce qu'il parle de gaz, de four, crématoire, de cadavres, ce n'est pas possible. Et donc, il ne pouvait pas croire ce qu'il racontait. Et la communauté juive grecque, 92% y ont laissé la vie. Et donc, il ne pouvait tout simplement pas croire ce que donc, lui racontait. Il disait, c'est pas possible ce qu'il raconte. Et quand les membres des hommes d'un commando sont arrivés, on ne pouvait pas comprendre. Mon père, lui, a été libéré par les Américains.